Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. En fait, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette édition hebdomadaire, hebdomadaire de Culture religieuse, votre fenêtre sur le monde islamique, sur le monde musulman, sur la religion islamique. Aujourd'hui, en fait, nous allons vous proposer un hadith tout à fait imminent, un hadith qui va parler de Mafatihul Khayr Maghaliqu Ash-Sharr. Avec plus de précision, notre grand prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, a dit: certaines personnes sont des clés du bien et des serrures face au mal, et d'autres personnes sont des clés du mal et des serrures face au bien. Bonne annonce à celui dont Allah fait une clé du bien, et malheur à celui dont Allah fait une clé du mal. Donc, c'est le grand hadith, les explications, les éclaircissements seront avec notre invité de marque, docteur Sami Mandour, le grand professeur à l'université de l'Azhar. Docteur Sami, vous êtes toujours bienvenu sur l'international. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Bonjour. Et nous attendons bien sûr l'interprétation, les justifications, les explications, mais aussi les éclaircissements concernant ce hadith. Oui, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. En effet, vous avez bien cité un hadith très important du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il s'agit de la finalité de l'islam. Il s'agit de l'objectif de la création de l'homme. Il s'agit de pourquoi l'homme est là dans cet univers. Et pourquoi le prophète a été envoyé. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ce message et sa mission après tous les autres prophètes. Et pour dire quand même pourquoi tous les prophètes et messagers d'Allah ont été envoyés. Puisque normalement, quand Allah a créé l'homme, il a créé l'homme et il a dit « وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ » C'est-à-dire, Allah a guidé l'homme vers les deux chemins. Quand on dit les deux chemins, les deux voies, vous avez la voie du bien, la juste voie, et vous avez la voie de mal, le chemin de mal. Donc voilà la voie du bien qui mène au paradis, et la voie de mal qui mène à l'enfer. Donc, dès les débuts de la création, c'était comme ça. Allah a déjà précisé à Adam, à tous les prophètes, dès Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit de bien, appeler au bien et interdire le mal. Raison pour laquelle vous avez dans le Coran un verset très important. Vous avez, il y a deux versets où l'on parle de la Ummah islamique, de la communauté musulmane, la Ummah de l'islam. Quand Allah a dit, vous avez le premier verset, « Kuntum khayra ummatin, ukhrijat lil-nasi, ta'muruna bil-ma'roufi, wa tanhauna anil munkari wa tu'minuna billah. » Vous avez donc les qualités, les traits caractéristiques, les privilèges de cette Ummah, la Ummah musulmane. Vous avez « tu'minuna billah, ta'muruna bil-ma'rouf, tanhauna anil munkari. » Vous avez donc trois conditions, cinq qanouns pour être, pour faire partie de cette Ummah. Vous avez tu'minuna billah, c'est la foi. Vous devez avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu'minuna billah, ta'muruna bil ma'ruf, c'est-à-dire enjoindre le bien. Wa tanhauna 'anil munkar, interdire le mal. Là, c'est ce qu'on appelle miftahul khayri mighlaq ash-sharr. Quand vous êtes là, vous entraînez le bien. Et quand vous êtes là, vous interdisez le mal. Quand vous absentez, le bien n'est pas là. Et quand vous absentez aussi, vous vous absentez, le mal n'est pas là. Donc c'est-à-dire, vous êtes toujours là, donc c'est le bien. Si vous êtes toujours ici, vous interdisez le mal. S'il y a quelque chose de mal devant vous, vous devez l'interdire de la façon la plus adéquate à la lumière du verset coranique « Ud'u ila sabili rabbika bilhikmati wal maw'idati alhasanati wajadilhum billati » c'est-à-dire appelle à la religion d'Allah par « bilhikmati » la sagesse « wal maw'idati alhasana » la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. Donc vous avez, donc là c'est « al-khayr » donc c'est le bien, le chemin de bien qu'on doit commencer. Ça commence dès la foi.
Vous devez avoir la foi pour mener tout ce qui est, pour faire tout ce qui est bien et tout ce qui est utile dans notre société. Oui. Et donc, la finalité de l'islam, c'est l'appel au bien et c'est l'interdiction à tout du appel tout mal. Au mal. Oui. Et deuxièmement, il y a toujours une récompense consacrée à ceux qui appellent au bien et un châtiment consacré à ceux qui appellent. Appel et fait, les deux à la fois. Appel et fait. Nous allons bien sûr savoir un peu plus d'explications, notamment comment nous pouvons être mafatihu al-khayr, comment nous pouvons être la clé du bien et les serrures du mal. C'est ce qu'on va savoir, mais justement après ce petit reportage. Celui qui veut être parmi les clés du bien, verrou du mal, les gens de bonne nouvelle, alors qu'ils s'en tiennent à ce qui suit. La sincérité envers Allah dans les paroles et les actes. Elle est en effet la base de tout bien et la source de tout mérite. L'invocation et l'insistance auprès d'Allah, de la réussite en cela, en effet, l'invocation est une clé pour tout bien. Et Allah ne repousse pas un serviteur qui l'invoque et ne déçoit pas un croyant qui l'implore. Désirez ardemment la quête de la science et son acquisition, car la science invite aux vertus et aux actions nobles, et on y rempart contre les vices et les grands crimes. S'appliquer dans l'adoration d'Allah, notamment les obligations, et en particulier la prière, car elle préserve de la turpitude et du blâmable. Se parer des nobles caractères et de ce qui en est imminent, s'éloigner des mauvais comportements et de ce qui en est aissable. Fréquenter les bons et s'asseoir auprès des vertus, car les anges encerclent leur assise et la miséricorde les enveloppe. Et prendre garde aux assises des mauvais et des prévés, elles sont certes ce sur quoi descendent les diables. Conseiller les gens lors de leur compagnie et de leur fréquentation, en les occupant dans le bien et en les détournant du mal. Se rappeler le retour et la station debout devant le Seigneur de l'univers, alors le bienfaisant sera rétribué pour sa bienfaisance et le malfaisant pour sa malfaisance. Et le pilier de tout cela est l'ambition du serviteur dans le bien et dans l'intérêt des gens, à partir du moment où l'ambition est présente, que l'intention est résolue, que la détermination est certaine, qu'il aura demandé l'aide d'Allah en cela et aura accompli les choses conformément, il sera alors, par la permission d'Allah, parmi les clés du bien, verrou du mal. Donc, docteur Sami Mandour, il y a, si je peux dire, des raisons, il y a des moyens pour arriver à disposer de ce caractère, la clé du bien et les serrures du mal. Oui, c'est exactement ça, puisque nous avons déjà parlé de les traits caractéristiques de la Ummah musulmane. Et l'autre verset nous donne cette clé, puisque l'autre verset dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّ Vous avez la Ummah, la grande Ummah en général, et vous devez avoir un groupe tiré de cette Ummah qui va faire quoi? Comme le dit le verset أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ Donc nous devons tous appeler au bien. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Donc le Coran, dans les mêmes versets, insiste sur l'appel au bien et l'interdiction du mal. Et donc, comment faire? Comment essayons de, comme le hadith du prophète le dit, « Inna minan nasi nasan » Parmi les hommes, il y a des gens. « Mafatihu lil khayri, maraliqu lil sharri » qui sont des clés pour le bien, et qui appellent au bien, et qui ferment la voie à tout ce qui, est mauvais, au mal, si je peux dire. Il y en a d'autres aussi,
qui sont tout à fait le contraire. Oui. Et qui sont mafatih ou l'ishari, il appelle toujours au mal, maraliq ou l'ilkhayri, c'est-à-dire il n'appelle pas au bien. Donc c'est tout à fait le contraire. Vous avez deux catégories de gens. Catégorie qui appelle toujours au bien, quand tu vois quelqu'un, ça te rappelle Allah, ça te rappelle le bien, ça te rappelle tout ce qui est utile à la société. Mais vous avez quelqu'un d'autre qui est criminel, qui est toujours mauvais et qui est méchant. Et quand tu le vois, tu te rappelles toujours de tout ce qui est mauvais. Et donc là, et qu'est-ce que le prophète le dit mafatih. Donc il y a le deux. Et donc, comme vous l'avez déjà dit, il y a au bout du chemin, qu'est-ce que nous allons trouver? Les gens de bien, qu'est-ce qu'ils ont? La récompense. La récompense. Et les gens de mal, qu'est-ce qu'Allah leur a réservé dans le jour du jugement dernier? Donc le prophète a dit, Fatouba. Touba, c'est plutôt le paradis. Une catégorie, un type de paradis. Fatouba, liman kana miftahan lil khayr mighlaqan lil shar. Donc paradis, donc ça sera au paradis, ça sera au qui paradis appelle au chemin de bien, ou ceux oui, qui sont exactement bien. Ça wa waylun liman kana miftahan lil shar mighlaqan lil khayr. Waylun, c'est une valide en enfer. Donc là le symbole touba, c'est le symbole du paradis. Waylun, c'est le symbole de l'enfer. Donc, au bout du chemin, de votre chemin, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez choisir le chemin de bien? Donc, dans ce cas-là, vous irez directement au paradis. Et si vous avez bien choisi le choix de mal, vous devez certainement aller à l'enfer. Et donc là, c'est la première chose que le musulman doit mettre dans l'esprit, parce que la première chose, vous allez voir quelle sera la fin de votre travail. C'est-à-dire le résultat de votre travail, le fruit de votre travail. Est-ce que ça sera un bon fruit ou bien un mauvais, un fruit amer? Donc, celui qui fait le bien aura un bon fruit, c'est un fruit qui est bon à manger, mais celui qui fait le mal, il aura des fruits amers, c'est-à-dire l'enfer. Et donc, comment faire? La première clé, parce que normalement, quand il y a quelqu'un qui a dit, Allah a dit, La ilaha illallah miftahul jannah. Dire la formule, La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah, c'est la clé du paradis. Et le chemin de bien mène au paradis. Et donc, imaginez, vous devez avoir la clé. Et la clé, c'est quoi? C'est dire « La ilaha illallah ». Mais il y a quelqu'un qui a posé la question à l'un de grands tabi'in, de grands sahaba, qui ont déjà plus proche du temps du prophète, Wahb ibn Munabbih. Donc là, mais comment? Est-ce que si on a dit « La ilaha illallah », donc on doit entrer dans le paradis, comme le dit le hadith, il a dit « Oui, mais vous avez la clé ». Mais quand vous avez la clé, il y a ce qu'on appelle d'ici, il y a des conditions. Vous avez la clé. Et dans la clé, il y a des... comment dirais-je? Quand on a la clé, la clé n'est pas plate, mais il y a d'autres choses par lesquelles on doit ouvrir. Et donc, est-ce que vous devez avoir une clé qui n'est pas valable, et entrer? Si la clé n'est pas valable, tu ne peux jamais entrer. Donc, pour avoir une clé valable, vous devez avoir de bonnes actions. C'est-à-dire, vous devez faire des actes. Donc, d'après vous, il faut toujours lier ou relier plutôt les propos, la foi, l'attestation de foi, et les actions. Et les actes. Donc, c'est ça, pour cette raison, on a mafatih lil khayr. Vous avez dit la ilaha illallah, mais vous avez beaucoup de criminels qui disent la ilaha illallah. Mais est-ce que ce criminel-là qui dit la ilaha illallah,
peut directement entrer au paradis parce qu'il a dit la ilaha illallah. Il a passé toute. Bien sûr, ça dépend d'Allah, mais quand même, quand on essaye d'expliquer les choses, vous devez faire des bons actes, vous devez faire des actes vertueux, vous devez être miftah, c'est-à-dire vous devez faire du bien et appeler les autres à faire le bien. C'est pour cette raison, quand on. Vous avez dans un hadith, Allah a kataba al-hasanati wa al-sayyi'at. C'est-à-dire, tout ce qui est fait est déjà prédestiné. Mais maintenant, vous êtes en train de faire quelque chose. Vous avez l'intention. L'intention, c'est une condition sine qua non de tous les actes. Chez nous, surtout les actes cultuels. Et même les actes banals. Et c'est pour cette raison qu'on dit toujours bil niyati tatahawwal al-'adat ila 'ibadat. C'est-à-dire, par l'intention, les actes banals qu'on fasse dans la société peuvent se transformer en actes d'adoration. Mais comment ça? À travers l'intention. Puisque maintenant, vous faites une émission télévisionnique. Pourquoi tu le faire? Pourquoi tu fais cette émission? Vous, en tant qu'animateur. Et moi, en tant que professeur. Pour essayer d'appeler les gens à faire le bien. Donc, notre attention d'appeler les gens à faire le bien, ça nous donne des récompenses. Sans cette intention, l'acte est invalide. Revenons au hadith du prophète. Inna Allah katab al-hasanat wa al-sayyi'at. Et ensuite, il y a des gens qui font de bien. Il y a des gens qui font de mal. Il y a des gens qui s'apprêtent à faire le bien, mais ils ne le font pas. Mais il y a des gens qui s'apprêtent à faire le mal, mais ils ne le font pas. C'est ce qu'on va savoir avec plus de détails, mais justement après cette petite pause pour vous donner un peu d'espace pour prendre l'haleine. On souffle. On souffle. Et donc, vous êtes encore invité avec nos chers téléspectateurs à visiter cette mosquée monumentale qui se trouve dans notre capitale, le Caire. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqilli, fut envoyé par le calife al-Mu'izz al-Din Illah pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, notre grand professeur, Dr Sami Mandour, il y a des gens qui voient le bien, mais ne le fait pas, mais n'essaie pas de le suivre. Et il y a des gens qui appellent également au mal et appellent à ne pas faire le bien. Vous avez deux catégories de gens. Il y a le hadith dont on parle, Inna Allah katab al-hasanat wa al-sayyi'at, parle de quoi exactement? Parle des gens, il y a la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a la punition. Si j'ai l'intention de te porter atteinte, de te frapper, par exemple, et moi je n'ai pas fait, dans ce cas-là, je dois être puni ou récompensé. Et si j'ai l'intention de te donner de l'aumône, et je n'ai pas fait. Je dois être récompensé ou non. Là, il s'agit de quoi? Il s'agit de miftah al-khayr mirlaq al-shar. Parce que l'islam exhorte les gens à faire le bien et à éviter de faire le mal. À faire le bien même si... Même avec l'intention.
C'est-à-dire, si j'ai l'intention de porter atteinte à quelqu'un, Je ne le et fais donc je pas. me rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, je me rappelle, mais comment faire atteinte à quelqu'un? Mais c'est interdit. Allah m'a interdit de porter atteinte, de faire tort à quelqu'un. Donc je me suis rappelé d'Allah, Allah. et dans ce cas-là, je me suis interdit de faire le mal. Et dans ce cas-là, hein, j'aurais être récompensé. Allah. Même si je n'ai pas fait un acte de bien, mais j'ai l'intention de ne pas faire le mal. Ouais. Je n'ai pas l'intention de faire le mal. Allah, c'est très bon, Oui? c'est la grandeur de l'islam. Oui? Donc, si j'ai l'intention de faire De du faire le mal, mal et je ne commets pas le mal, ouais. dans ce cas-là, je serai récompensé Je serai parce que je me récompensé. suis interdit de faire le mal. C'est ça pour l'amour de Dieu, comment... Normalement, c'est pour l'amour de Dieu. C'est pas parce que j'ai trouvé un policier, et donc le policier va m'arrêter si j'ai fait de mal. Non, c'est pas pour cette raison. J'ai évité de faire le mal, de porter atteinte à quelqu'un, de faire tort à quelqu'un, parce que je me suis rappelé que Allah m'a interdit de le faire. Donc je me suis interdit de le faire pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Donc dans ce cas-là, Allah me dit, vous devez être récompensé. Je vous récompenserai, certes et certain. Parce que le hadith du prophète, Inna Allah kataba al-hasanati wa sayyi'at, faman hamma, c'est-à-dire à l'intention, bi hasanatin fa'alaha, vous avez l'intention de faire le bien, donc tu as fait le bien, la bonne action. Donc dans ce cas-là, vous devez être récompensé. Et la récompense, c'est quoi? Vous avez une récompense redoublée en 10, redoublée en 700. Donc vous avez la bonne action que vous devez faire, vous devez avoir 100 récompenses. Pas une seule, une qui va doubler en 10, qui va redoubler aussi en 700. Waman bi hasanatin falam yaf'alha, kutibat lahu hasana. Mais celui qui a l'intention de faire le bien, il n'a pas fait, il a aussi la récompense d'intention. Celui qui a l'intention de faire le mal, il n'a pas fait le mal, il sera récompensé. Et celui qui fait le mal et a l'intention de faire une mauvaise action, il l'a fait, il n'aura qu'une seule mauvaise action. Qu'une seule sayyi'a, une seule sayyi'a. Mais pas le hasana, redoublé en 10, redoublé en 700. Donc, si j'ai Ça, c'est seulement l'intention de faire, la grâce immense d'Allah subhanahu wa ouais, ta'ala. si donc j'ai l'intention de faire une sorte d'action dans mes intentions et je ne le fais pas, donc ça sera récompensé d'une seule hasana, Oui. bonne action. Mais si je le fais, ça sera Redoublé redoublé en en 10. 10. Et même dans un autre C'est de la hadith, générosité, oui. 700 hasanah. 700, ouais. Par contre, si vous avez fait du mal, c'est une seule sayyi'a. Là, il s'agit, quand on dit sayyi'a, il faut faire attention, il faut faire une différence entre deux sortes de sayyi'a, deux sortes de mauvais actes. Puisque quand même, il y a une certaine confusion dans la mentalité de certains gens. Et là, c'est aussi miftah al-khayr mirlaq al-shab. C'est pour pousser, exhorter le musulman à faire le bien et ne pas faire le mal. Puisque normalement, le sayyi'a, c'est quoi? Vous pouvez faire, par exemple, la prière, c'est un droit divin d'Allah. Je le fais exclusivement pour Allah. Si je ne fais pas la prière, ça ne porte atteinte à aucune personne. À personne. Mais si je commence maintenant à semer le désordre sur la terre, à porter atteinte à quelqu'un, à faire tort à quelqu'un, à tricher par exemple, à comme on le voit aujourd'hui, à faire le monopole des marchandises. Ce sont des mauvais actes, de mauvaises actions qui portent atteinte à des êtres humains. Dans ce cas-là, il y a deux, donc vous avez les deux catégories. La première catégorie, ça concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez bien abandonné un acte cultuel, comme le salat, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage et tout ça, donc ça revient à Allah de vous Pardonner. pardonner. Mais si on a commis un acte
abominable, criminel, un mauvais acte contre un être humain, que ce soit musulman ou autre, il s'agit d'un être humain. Ouais. Puisque l'être humain, en tant qu'être humain, est sacré. Ouais. Et inviolable. Et il ne faut pas violer ce droit. Si vous avez violé, bavoué les droits d'un être humain, dans ce cas-là, Allah ne pardonnera jamais le péché que vous avez fait, à condition que l'être humain pardonne. Si l'être humain ne pardonne pas, Allah ne pardonnera jamais. En fait, on n'a plus de temps pour continuer un peu plus de l'explication de tels hadiths et d'autres hadiths. C'est pourquoi on va essayer de consacrer une autre édition pour parler un peu plus de ce sujet. Mais en tout cas, je dois vous remercier infiniment pour votre explication. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.